Qui vous envoie ? Hé, du calme. Faut qu'on cause. De qui ? Yorinobu Arasaka ? Vous êtes là pour me ramener ou... Ce pauvre rat a plus personne vers qui se tourner. Il est à court d'options. Allez, ferme-lui sa putain de gueule. Pas un de tes fans, je suppose. Il a pas l'air de trop t'apprécier non plus, là. Ce sale petit enculé sait même pas s'il doit avoir plus peur de toi ou d'Arasaka. Ça a rien de personnel. Si je me rappelle bien, t'étais censé prévenir Takemura quand t'aurais Hellman. Une seconde. C'est bon, je l'appelle. N'oublie pas que tu tiens Hellman et que c'est un sacré atout. Essaye d'en tirer quelque chose. Takemura m'a sauvé la vie, t'as oublié ? Parce que c'était dans son putain d'intérêt, tout ça. C'est que du business. Et c'est pas ton ami. Takemura, bonne nouvelle, j'ai Hellman. Il est vivant ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il est en vie, ouais. Mais il cause pas trop, là. Je l'emmène au Sunset Motel. Je vous y rejoins. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'arrive. Entendu. Au revoir. Vaut mieux l'emmener dans un endroit tranquille pour causer. T'as raison. On dirait que tes nouveaux Chumba sont là. Aucun doute. Emmène-le dehors. Fous-le sur la moto. Bouge pas de là. La cavalerie est là. Mitch a rassemblé quelques sales décaldos. R.A.S. Personne nous a repérés sur la route. Mais vaut mieux pas traîner dans le coin. Qu'est-ce que tu vas faire de lui ? J'ai juste quelques questions importantes à lui poser. J'espère que ses réponses en vaudront la peine. Saul. On a terminé ici. Rien à signaler. Il paraît que c'est grâce à toi si Mitch est en vie. C'est aussi grâce à Panam. Elle aussi, elle a sauvé mon cul. J'espère qu'il en valait la peine. Saul, j'ai essayé de prévenir Scorpion, mais... Je peux faire quelque chose, me rendre utile ? Je crois que t'en as assez fait. J'ai essayé de l'arrêter. C'est ça. Casse-toi ! Montre que t'en as rien à foutre ! C'est tout ce que tu sais faire, hein ? Saul, c'est vraiment pas la faute de Panam, tu sais. Attention. Je suis pas ton pote, d'accord ? En plus, personne reproche rien à personne. Pour l'instant. Ouais, c'est ça. Panam faisait que m'aider. C'est ma faute, c'est moi qui ai fait tomber cette navie. Sans ça, Scorpion et ses gars seraient pas allés la piller. C'est la vérité. Quand on est un Aldecaldo, on est toujours responsable de soi et des siens. Les circonstances n'y changent rien. Panam devrait peut-être se demander si elle est toujours une Aldecaldo. Bordel de merde. Hé, hey, fais pas attention à Saul. Ça lui passera. J'en ai rien à foutre de lui. Ouais, mais lui, Panam, il s'en fout pas de toi. Dès qu'il a su ce qui s'était passé, il nous a ordonné de vous suivre. Parce qu'il avait peur qu'il t'arrive Saul quelque chose. C'était son... Écoute, c'est peut-être tendu entre vous, là. Mais tu fais partie de la famille. Et Saul est prêt à tout pour sa famille. Ouais, mais... Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille ? Arrête. Tu sais bien que oui. Reviens avec nous. Ouais, je comprends. Désolée que t'aies dû assister à ça. Les choses peuvent être un peu compliquées. Très compliquées, en fait. Mais je vais gérer. Et toi, tu prends bien soin de toi, ok ? Et maintenant ? Tu vas retourner à Night City ? Ouais, enfin... Je crois. Faut que je me pose. Que je réfléchisse à tout ça. Saul ?
Saul, Mitch, ils te traitent comme un membre de leur famille. Pourquoi tu leur donnes pas une chance? C'est pas si simple. Comme dans toutes les familles. Ils arrivent. Vous avez une minute. On dégage. Je me tire aussi. Prends soin de la moto de Scorpion. C'est la tienne maintenant. Je suis où, là? Je veux qu'on cause ta petite invention. Ta biopuce pour Arasaka. D'accord. Mais clarifions d'abord quelque chose. C'est pas Yorinobu Arasaka qui vous envoie? Non. Vous devez donc avoir une offre à me faire. Si votre boss paye mieux que Kang Tao, je crois qu'on peut parler. Y a personne qui m'envoie. J'ai un problème, et tu vas m'aider. Et je peux savoir quel est le rapport avec la biopuce? Ta tech essaie de me tuer. Je suis à peu près sûr que c'est pas vendu comme ça. Si vous voulez vous plaindre, il va falloir m'en dire plus. J'ai le construct de Johnny Silverhand coincé dans le crâne, et je tiens pas à ce qu'il y reste. Construct de Silverhand? C'est impossible. Où avez-vous eu cette biopuce? Il faut que tu retires cette biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui as fabriqué ce truc, non? Alors, c'est quoi le problème? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopuce. Qu'est-ce qu'il a de différent, ce prototype? Un engramme différent? Quelque chose de plus... conscient? Agressif? C'est la biopuce qui est unique, pas l'engramme de Silverhand. La version précédente de la puce ne servait qu'à communiquer avec des engrammes préenregistrés. C'était une version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en était encore à la phase d'essai. Oh, quel bol! Ça fait de moi un être exceptionnel. Ça veut dire que tu vas m'aider? Eh ben... il faut d'abord que je la voie. Ok. Oh. Incroyable. On dirait... J'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aide. Oh, merde. Impressionnant, hein? Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement. Ouais, quel dommage. T'aurais aussi pu devenir son cochon d'Inde. Ah, comment m'en débarrasser? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. Il ne peut plus fonctionner indépendamment de la puce. Tout ce que je pourrais faire... Ouh, oh, c'est parti pour les négociations. C'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Ils vous aideront durant la phase terminale. Ils soulageront vos douleurs. Il se passe quoi dans ma tête, au juste? À vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux personnalités? Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous... et Silverhand.
Vous ne dites rien. Je peux le voir. Je peux lui parler. Vous ne lui parlez pas vraiment, mais je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous remarqué l'influence du construct sur les décisions que vous prenez? C'est bon, t'as fini? Qu'est-ce que tu veux dire? Vous allez vous mettre à faire des choses impensables. Du moins pour celle que vous étiez. Et vous savez parfaitement qui il était. Un fanatique. Un terroriste. Suicidaire, qui plus est. Putain, qui c'est qui essaye de t'embrouiller le cerveau, là? Voilà pourquoi je pense qu'à ce stade, vous devriez songer à vous faire interner. Au moins, Johnny a jamais vendu son cul, pas comme toi. Vous le défendez? Ou bien c'est Johnny qui parle à présent? Oh, que je devine, il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de votre corps. Même pas un petit instant. Non. Et ça te dirait pas? Ça pourrait être amusant. Johnny. Je plaisante. Mais fais gaffe, ce costard essaie de te retourner le cerveau. Tu sais quoi, ça suffit. T'essaies juste de gagner du temps ou quoi? J'ai du mal à te suivre, là. Tu veux me convaincre que tu me sers à rien? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une directe dans la tête. Et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi chez Kang Tao. Oublie Kang Tao! T'as pas de meilleure idée? Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourra vous aider, je peux vous donner les schémas. La documentation complète du projet. Kang Tao m'en offrait une belle somme. Vous les avez sur vous? Il a intérêt. Ce couillon ne nous sert à rien, sinon. V. Taquez-moi? Bordel, qu'est-ce qu'il fait ici? Il a aussi quelques questions à te poser. Si t'es gentil, il sauvera peut-être même ton petit cul. J'ai presque fini. Allez, les schémas. C'est mieux que rien. À condition de trouver quelqu'un qui comprend le jargon technique. Il est à toi. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que nous pourrons trouver un accord. Ça vaudrait mieux. Je dis ça dans votre intérêt. V, je ne l'oublierai pas. Bon, quelle chaleur. Bah voilà. Elle m'a gorge complètement desséché. Ah. Ah, c'est quoi ça? Vous n'avez même pas donné un verre d'eau. C'est putain inacceptable. Inhumain. Avec moi. Vous allez voir la différence. Je vais vous donner des seaux entiers. Non, c'est pas la peine. Assieds-toi, bordel! C'est quoi? C'est la biopuce? Oh, évidemment que c'est la puce! Ma tionite aiguë s'arrange pas. Est-ce que t'insinues que c'est ma faute? Putain! C'était ton cœur. Pose-toi un peu. Faudrait pas que tu clames alors qu'on a un boulot à faire. Ouais, je sais. Anéantir Asaka, détruire Mikoshi, blablabla. Hé, hey, t'es vraiment en train de devenir comme moi. T'as peut-être raison. On n'arrête pas de s'engueuler, comme un couple de petits vieux. Je crois qu'il serait temps qu'on se fasse un peu plus confiance. Je sais pas du tout ce que je fais. Mon rêve, c'était de devenir une légende vivante. Là, c'est à peine si je survis. Tu sais comment on fait pour savoir ce qu'on vaut vraiment? C'est quand on est face à la mort, qu'on la regarde en face. Là, il te reste encore une chance de devenir quelqu'un. Ouais. Peut-être. Ça t'a fait comment? Quand t'es mort? J'étais sur un petit nuage. J'avais l'impression que rien pouvait m'arriver. Jusqu'à ce que ça arrive. Et maintenant, je commence seulement à réaliser que je suis mort. Après tout ce temps... T'as mis 50 ans à imprimer. À Mikoshi, c'était... comme si je dormais.
J'étais pas conscient, j'avais pas la notion du temps, tu vois. Rien pour le mesurer. J'étais leur chose. Je me souviens juste du vide, du noir, du froid, de la peur. Ou je confonds avec ta mort. Je comprends mieux pourquoi tu détestes cet endroit. Il devrait pas exister. Les corpos font souffrir les gens dans le monde entier. Mais ce qui se passe à Mikoshi, c'est pire. Et tu sais pourquoi ? Franchement, je sais pas. Je vais te le dire. Le pire, c'est quand on change ton identité et que tu sais même pas que t'es devenu quelqu'un d'autre. Les corpos se sont déjà emparés du monde. Et maintenant, c'est nous qu'elles veulent. Bon, allez, on se remet au boulot. Ok, c'est parti. Thank you.
and the Arasaka Corporation answers. Join us today to fight for a better tomorrow. Peace is fragile. Help us strengthen it by using Arasaka soldier systems. Wherever you are, whatever the threat. Content de te voir, V. Eh ben, c'est plutôt isolé comme coin. C'est l'endroit idéal pour une réunion aussi secrète. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as une sale tête. Tu es face à un homme privé de ses implants, de son argent et de sa dignité. Mais ce n'est pas si mal. Dans la rue, je passe relativement inaperçu. Il est là, ton ami? Oda, il ne devrait plus tarder à arriver. Est-ce que tu vas finir par me dire qui c'est? Il est le garde du corps de Hanako-sama. Hanako Arasaka? Celle du porte-avions ancré dans la baie? La fille de Saburo? Oui, et s'il te fait confiance, alors nous aurons l'opportunité de la rencontrer. Et qu'est-ce qui empêchera son petit toutou de nous balancer? Il n'en fera rien. C'est un homme d'honneur. Ouais, c'est connu que c'est une qualité courante chez Arasaka. Ne confonds pas le véritable honneur avec la pseudo-morale qui dicte ta vie. Il est en voiture. C'est bon signe. D'habitude, il est toujours camouflé. Takemura-san. Oda. C'est elle, la voleuse? C'est mon témoin, V. Et je sais parler, pour info. Alors, parle. On m'a dit que tu savais des choses. Ça va pas vous plaire, ce que j'ai à dire. Je vais être sûr que je risque rien. Tu as ma parole. V, tu peux lui faire confiance. Bon, d'accord. J'étais au Konpeki Plaza le soir où c'est arrivé. Ça ressemblait à une simple histoire de famille jusqu'à ce que... Yorinobu se jette sur sa bourreau et se mette à l'étrangler. Silence! Pas un mot de plus. Tu vas attirer la mort sur toi. Mais c'est la vérité. Hanako-sama doit l'entendre. Tout ce que je veux, c'est la protéger dans cette ville abandonnée des dieux. Est-elle en danger? Pas en ce moment. Mais lors du défilé d'hommage à Arasaka-sama, sans aucun doute. Je t'apporte le témoin de son meurtre. Et tu t'inquiètes pour un stupide défilé? Imbécile! Oui. Car contrairement à vous toi... Vous devez regarder la vérité en face! Oui. Car contrairement à toi, je ne compte pas faillir à mon devoir et trahir à mon serment. Tu regretteras tes paroles. La seule chose que je regrette, c'est d'être venu vous parler. Ta tête a été mise à prix. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas. Pardon, mais ça va prendre encore longtemps. Estime-toi heureux que je ne la coupe pas.
pour la rapporter à Yorinobu-sama. Que ferais-tu maintenant si tu étais à ma place? Je n'hésiterai pas. Je livrerai ta tête à Yorinobu. Tu as beaucoup Oda, de chance. C'est pas comme si on vous demandait l'impossible. Je vous demande juste quelques minutes. C'est à Hanako de décider si ce qu'on dit l'intéresse. Pas à vous. Vous allez nous aider? Pas de question. Mais je vais vous laisser partir et quitter cette ville, indemne. Si jamais je revois l'un de vous un jour, je serai moins indulgent. Fais bien attention, mon ami. Nous sommes tous loin de chez nous. Et bon débarras. Un seul cinglé de char à Saka à gérer, c'est déjà beaucoup. Bon, on aura essayé au moins. En effet, mais nous avons obtenu quelque chose d'utile. Oh. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est Kadi Oda. Il retourne à Tokyo après le défilé. Tu ne comprends pas? Le défilé, c'est peut-être une opportunité. Si, par chance, nous parvenons à atteindre Hanako-sama, nous devons d'abord effectuer un repérage. Il nous faudra une carte précise de Japan Town. Une minute. C'est ton tour d'appeler un ami. Tu connais un fixeur qui pourrait nous aider? Comme fixeur, je connais Wakako Okada. Elle tient une salle de pachinko sur Jig Jig Street. Alors, nous devons aller voir cette femme. On y va ensemble? Ouais, pourquoi pas. Pas plus étrange que Goro Takemura. Attention, tu te moques de moi. Trop souvent. T'as une idée de ce qui se passe à Arasaka? Uniquement à travers ce que je vois à la télé. Yorinobu et ses pantins sourient devant les caméras et affirment qu'ils contrôlent la situation. Mais plus un sourire est grand, plus le mensonge. Tout va bien, Goro? Oui. Pourquoi? On a des intérêts en commun, toi et moi. T'as déjà oublié? Certainement pas. Bien. Parce qu'on attrape plus facilement une bastos qu'un rhume à Night City. Et j'ai besoin de toi vivant. Je vais bien. Comme tu peux le voir. Tu devrais plutôt te soucier de ta propre santé.
suite. Enfin, tout ça n'est sûrement qu'un malentendu. Je ne sais pas qui a attaqué ton équipe, mais les Tiger Claws... Non, jamais de la vie. Mes gars savent se tenir. Désolée, je dois te laisser. J'ai... de la visite. Tiens, tiens, mais qui vois-je? V en personne dans mon humble petit salon. Wakako, ça faisait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Et ton charmant ami, c'est... On s'est juste retrouvés à bosser ensemble, c'est tout. Takemura Goro desu. Okada-san, owai dekite kouhei desu. Oh, un vrai gentleman. Oh, c'est vraiment dommage qu'il ait tous les petits soldats d'Arasaka aux fesses. Et toi, V, tu l'amènes chez moi. Donne-moi une bonne raison de ne pas prévenir les autorités compétentes dans la seconde. Les Eddy, c'est toujours une bonne raison, Wakako. Tu veux en gagner, et on est là pour affaire. C'est simple. Parle alors. Et note bien que j'ai toujours mon téléphone dans la main. On a besoin d'infos sur le défilé qui doit traverser Japantown. Ça concerne encore Arasaka, alors. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu viens me voir moi. Monsieur Deschaux ne décrochait pas son téléphone ? Entre Arasaka et les Tiger Claws, clairement les tigres sont juste des chatons, non? C'est pas possible que t'apprécies les gens qui ont tué ton petit-fils. C'était il y a très longtemps. Le temps guérit tout, mais... une blessure pareille. Non, elle ne guérit jamais. Tout est sur ses éclats. Combien ça va nous coûter? J'ai les poches vides. C'est évident. Prenez, je vous en fais cadeau. Okada-san, les choses gratuites s'avèrent souvent plus coûteuses. Vous allez les prendre ou pas? Japantown. Tout le quartier sera bouclé pour le défilé. Les chars d'Ashi seront l'attraction principale. Ils voleront par là, loin au-dessus des rues. Sur le trajet du défilé, des balcons, des passerelles et des endroits surélevés offrant une bonne vue. Anako Arasaka, l'invitée d'honneur, prononcera son discours depuis le plus grand char. Elle le fera précisément... là. Aucune idée de la sécurité, mais vu les événements récents, elle devrait être importante. Au dernier défilé, des agents d'Arasaka s'étaient infiltrés dans la foule. Et c'est sans parler des snipers et des drones. Pour rendre les choses encore plus amusantes, il y aura au moins un être honneur. Ils utilisent les caméras de la ville pour tout surveiller. Le point d'accès principal est ici. C'est un vieux centre de contrôle automatique. À mon avis, ce sera le plus utile. À la fin, les chars quitteront Japantown. Et on restera là à nager au milieu des déchets que personne viendra ramasser. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Ça devrait suffire. Je ne vous retiens pas dans ce cas.
Merci, Wakako. Ne vous remercions, Okada-san. Cette femme était vraiment très charmante. Ces informations, je pense que c'est ce qu'il nous fallait. Mais je vais quand même enquêter de mon côté. Je vais rester là quelque temps et contacter des associés. Dès que j'en saurai davantage, je te recontacterai. Sois prudent, Goro. Toi aussi, sois prudente. À bientôt. Quoi ? Une usine de recyclage ? Une station N-Cart déserte ? Il y a un marché dans la partie sud de Japantown, sur une passerelle au-dessus de la rue principale. Prends les ascenseurs pour éviter de te perdre. Je suis déjà en chemin. Ne me fais pas attendre. J'ai un truc qui va te faire mouiller toute la nuit. Un œil à la pièce jointe et rends-toi à l'adresse indiquée. Une fois là-bas, tu prendras une voiture à Sergei Karasinski. Il faudra que tu fasses la livraison jusque chez les Tiger Claws. Uniquement de la voiture, je veux dire. Ah. Tout est clair ? J'espère. Nous venons de recevoir une dépêche de dernière minute. Une navie de Kentao s'est écrasée aux abords de Night City. Les propulseurs de l'appareil ont été désactivés par une décharge d'IEM émise par une centrale accidentée de Santo Domingo. Je ne comprends pas. Arasaka n'avait pas assez d'hommes comme ça. Regardez autour de vous. La tension monte. Je sais qu'on l'écouterait pendant des heures, mais faut que je te pique ton copain. Deux secondes. Qu'est-ce que tu fais ? Goro, contente de te voir. Tout le plaisir est pour moi, V. J'ai réuni des informations de mon côté. Tu sais qui souhaitait le plus honorer Arasaka-sama avec ce défilé ? Son assassin, l'ironie de la situation me dégoûte.
Je vois toujours pas ce qu'on va faire de tout ça. J'ai ma petite idée. Regarde en l'air. Les chars d'Ashi passeront exactement par là. Si j'arrive à monter sur le char de Hanako-sama, je pourrai lui parler en privé. Mais comment ? En sautant, bien sûr. Et comment tu comptes faire ça ? Pendant que tu t'occupais de tes petites affaires, je me suis renseigné sur les chars. Ils sont tous entreposés au même endroit, le parc industriel d'Arasaka. C'est là qu'ils les préparent. Il nous suffit de nous y introduire, de trouver le bon char et d'injecter un virus dans son système. Tu pourras alors neutraliser la sécurité avant que je me glisse dedans. Ok. Et après ? J'ai un éclat infecté. Il m'a coûté cher. Mais l'homme qui me l'a vendu m'a assuré qu'il marcherait. Bien. Marchons un peu. Prendre le contrôle du char, c'est une chose, mais ça ne suffira pas. La sécurité m'inquiète, surtout les snipers. Je serai une cible facile. Mais j'ai peut-être une solution. Okada-san a mentionné les caméras de la ville. Si on y a accès, on saura exactement où se trouvent les snipers. Tu pourras les neutraliser pendant que j'avancerai. Ok, ça devrait le faire. Tu n'as pas d'objection. Les risques sont importants. Oh, tu sais, je commence à avoir l'habitude. Et maintenant, que dirais-tu d'un petit test ? Il faut essayer l'éclat. La salle de contrôle des caméras est devant nous. Tu dois y accéder et infecter le réseau, c'est tout. Ouais ? Et pendant ce temps, tu vas faire quoi ? Te boire une petite bière ? Je ne bois pas d'alcool pendant le travail. Je te couvrirai. Allez, à toi de jouer.